Elle parle très étrangement. Vraiment? Oui, je te l'assure que ta sœur est morte. Ma sœur est morte? Quel bonheur qui envahit mon corps de la sorte. Cette être poisseuse, sans esprit, elle le mérite. Je suis contente qu'elle ait perdu la vie. Mais il est fou! Mais tu es vraiment heureux? Bah, quoi? Tu ne partages pas ma joie? Pourquoi s'attrister? Elle ne méritait pas d'être là. Je ne l'ai jamais aimée. Et là, franchement, je suis soulagée. Maintenant, Euphilus, aide-moi à prendre sa maison. Que je puisse y vivre et je deviendrai alors ton patron. Être vengé. Alléluia, la fille est chérie, tellement intelligente. Ça fait du bien de retrouver sa copine. Ma tante Patrice, qui oh non, ma nef tripode. Avoue que tu as fait. Je vous avoue, ma tante, que c'est moi qui ai cassé mon ordinateur car le plafond est tombé dessus par ma faute. C'était quoi? Tu payes pour mon acte! Ne parle surtout pas comme ça à ma fille, en plus c'était déjà arrivé. Ah, oui. Allons-y, mère, c'est pas la peine. Tu n'as rien à faire. Bon bah, au revoir! Bye! Ciao! Adios! Tata Rita! Je suis flattée de votre gentillesse. Hadita, d'abord.
entendu que votre fille allait se marier avec quelqu'un. Vous êtes totalement prête pour ce livre. Tout ça que pour 4 lettres? Oui, la langue Boum Zoum a beaucoup de monde. Le malade imaginaire par Capucine, Éléonore et Mathias. Le malade imaginaire par Agathe, Maxime et Maya. Les fourberies de Scapin par Agathe, Mathias et Maxime. Les fourberies de Scapin par Capucine, Éléonore et Maya. Le bourgeois gentilhomme par Capucine, Maxime et Maya.